Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le meilleur pack atout à prendre quand vous jouez à Warzone. Donc c'est indispensable. Ici, je joue avec Alpiniste. Donc, Alpiniste, c'est quoi? Ça va réduire les dégâts de chute. Ça veut dire, par exemple, vous jouez sur Rebirth Island, vous êtes sur le toit de la prison, vous allez tomber du toit de la prison, mais vous n'allez pas mourir de dégâts de chute ou perte, pardon, beaucoup d'HP. Vous avez une résistance qui est quand même assez impressionnante. Il faut vraiment tomber d'un gros building pour vous casser les jambes, mais sinon, il n'y a pas de souci avec Alpiniste. Honnêtement, vous pouvez même lâcher votre parachute avant, vous ne prendrez pas de dégâts de chute. Ensuite, j'ai mis démineur. Pourquoi? Parce que énormément de personnes jouent avec, que ce soit les mines, les claymores, grenades, Sentex. Voilà, c'est indispensable de jouer avec démineur parce que vous mangez deux grenades, vous êtes ciao. Et là, vous avez une chance de vous en sortir. Donc pour moi, très bon atout. Ensuite, j'utilise trempé. Pourquoi trempé? Parce que je mets que deux plaques au lieu de trois. Donc, quand je rush une team de 3 ou de 4 ou même de 2 et que je me le fais enlever mes plaques après avoir tué le premier, ben, je sais vite remettre deux plaques et ça peut me faire gagner un fight, tout simplement. Et alerte maximale, parce que souvent on va avoir une personne viseur fixe derrière nous, on va pas le voir. Au moins, avec l'alerte maximale, ben, vous allez le voir dans votre radar. Ça va être en orange derrière vous. Vous allez vous retourner, il y aura l'ennemi, que ce soit à gauche, à droite, peu importe. Vous avez une coloration qui se met sur le côté de votre écran, dans le sens où il y a un ennemi qui vous vise ou qui vous regarde. Par exemple, si quelqu'un respawn du ciel que vous ne le voyez pas et que vous n'avez pas envie de vous faire cross, bah avec ça, bah ça peut mal. Donc voilà le meilleur pack d'atouts, les gars, pour jouer à Warzone. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!